Tu sors. T'es dans quoi? On dirait que t'es chez toi. C'est pas chez moi, mais je travaille ici. Si t'as un problème, c'est moi qui te frappe. Tu les as pris. T'es sérieux quoi? Ils vont même pas s'en apercevoir. Mais c'est pas vrai, vous en avez rien à foutre. Salopard. Tu vas appeler les gendarmes, tu crois? Comment ça se passe ici? Si t'as besoin de rien, tu les appelles. Voilà comme ça se passe. T'as pas vu des jeunes traîner là-bas, tu sais? De toute façon, on va pas te le dire. Aziz, viens. T'as pas entendu parler quelque chose par hasard? On va regarder s'il y a tout. Mais tu lui as pas dit pour les fusils. Quel fusil? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ces fusils de merde? Tu vois pas que c'est notre vie qu'on risque? Tu veux que je te dise quoi? 30 000 euros, ils valent ces fusils. Avec ça, on refait une vie. Je veux plus te voir nulle part. Mais comment je vais faire? Je m'en bats les couilles. Tu restes au quartier-chemin. T'as les kebabs, t'as ta mosquée, t'as tout le reste. T'as compris ou pas? Ils ont menacé tout le monde au quartier. Ils ont dit que ça allait être un bain de sang d'avant. Qu'est-ce que tu racontes? C'est en train de déraper tout ça. Je veux pas finir dans le maquis, moi. Est-ce qu'il paraît que tu veux aller balancer? Quoi? C'est pour ça que moi, va m'amener ces bandes de clochards.